Salut à tous, c'est Quentin. Alors, on est dans la semaine où c'est bientôt Noël, donc le lundi prochain c'est Noël. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo à propos de Noël. Même si. Techniquement. Ouais, concrètement parlant, le titre de cette vidéo est assez mensonger. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, Ask, j'ai un portable mais vraiment minable, pitoyable, enfin, bref, fait de la peine. Je me fais de la peine avec ce téléphone. Je me suis dit que Noël, c'était la parfaite occasion pour demander un téléphone, un vrai, un concret, un décent. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça me fout l'œil. Je me suis dit que pour Noël, j'ai demandé un téléphone. Donc la liste des vêtements dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est pas vraiment la liste des vêtements que je vais demander pour Noël. C'est des vêtements que j'aimerais tout simplement, que ce soit Noël ou n'importe quand. Ouais. Comme je voulais pas trop faire payer à mes parents, j'ai juste demandé un téléphone, c'est déjà quand même assez cher. En sachant que j'ai deux frères qui auront aussi des envies certainement, donc je préfère demander juste un téléphone. Voilà pourquoi le titre de cette vidéo est assez... Non, on va pas dire putaclic non plus, parce que c'est pas comme si j'avais dit j'égorge quelqu'un ou je sors avec Beyoncé. Donc il est assez mensonge, il est assez faux on va dire. C'est juste des vêtements que je veux en général, je me suis un peu servi de Noël comme excuse pour faire cette wishlist. C'est des vêtements que j'ai principalement trouvé sur Asos. Moi qui suis pas très chaussure, j'ai craqué, vraiment craqué sur deux paires de Chelsea boots, une noire et une grise. La celle que je veux le plus c'est la noire parce que je trouve que c'est celle qui va avec plus de choses. Mais la grise aussi, je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve vraiment magnifiques. Et les Chelsea boots, je pense que c'est vraiment la bonne alternative pour paraître plus habillé tout en restant décontracté. Et je pense que c'est à peu près mon style. C'est un peu visité on va dire, j'essaie jamais de tester de nouvelles choses et ce style ça me plaît bien. Pas non plus trop habillé genre costard cravate, ça c'est pas non plus mon truc, et pas non plus trop décontracté genre... Enfin non, parfois ça peut m'arriver d'être en sweat jogging, mais je trouve que la bonne alternative c'est décontracté et habillé. Et pour ça les Chelsea boots c'est nickel. Après j'ai vraiment craqué, bon c'est des vêtements de base, hein, vous me direz, c'est vraiment des vêtements de base, mais c'est les couleurs qui me... Pouf. Sur trois sweats, un qui est beige, on va dire c'est plutôt beige, un orange et un jaune. Ils sont... ils sont trop beaux. Des vêtements vraiment basiques, mais en hiver, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Parce qu'en hiver, les gens ont tendance à mettre que du noir, du bleu ou du gris, enfin, les couleurs de base. C'est des couleurs que je mets aussi, mais c'est des couleurs vraiment ternes, on va dire. C'est des couleurs qui sont pas très pétantes. Et moi, je dis que c'est pas parce qu'on est en hiver qu'il faut pas mettre des couleurs pétantes. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais avec ce sweat jaune, tu mets un sweat jaune, un jean bleu ou un jean noir avec des chaussures blanches. C'est des trucs que tu peux montrer parce que tu peux mettre plein de couches en dessous pour que t'es quand même chaud. Parce que c'est des trucs qui sont quand même 100% coton, donc c'est quand même assez léger. Mais tu peux mettre ça par exemple au-dessus d'un t-shirt ou un truc qui tient chaud en dessous. Comme ça, tu peux montrer quand même, tu peux montrer la couleur, tu mets ça en dessous d'une veste, c'est pas nickel. En plus, c'est à des prix vraiment trop abordables. Je me demande comment ils sont encore là. Ils sont à 25€. Bon, bref, c'est vraiment rien du tout. Et je les trouve vraiment beaux. Après, ils rentrent peut-être pas aussi bien en vrai. Faudrait que j'en achète un. Si j'en achète un, je crois que ce sera celui en jaune. Le jaune est trop beau. Jaune, le orange, c'est mes deux préférés. Bon, le blanc aussi, mais bon, blanc, beige. Blanc, beige, un peu bizarre. C'est plus le jaune et l'orange que je préfère. Après, j'avais pensé à des bonnets. Bon, je sais que ça va pas me servir très longtemps parce que, enfin, si on est vraiment dans la période, mais bon, ça va me servir très, très très longtemps. Je pensais à un bonnet gris clair parce que j'ai déjà un bonnet noir, noir et blanc. Noir avec des symboles blancs. Celui-ci, c'est un de la marque New Era. Je sais pas non plus ce que j'ai avec cette marque, hein, que ce soit les casquettes ou les bonnets. Bah, j'adore cette marque. J'ai même un agenda New Era d'ailleurs. Je sais vraiment pas ce que j'ai avec cette marque. Hein. En fait, c'est le logo que j'aime beaucoup. C'est vraiment pas la marque en soi, c'est vraiment le logo. Bon, voilà, je me lasse pas de voir regarder ce logo, j'adore ce logo. Voilà. D'ailleurs, je voulais laisser un sweat New Era, mais bon, il était trop cher. Là, sinon, c'est vraiment le bonnet qui est très très cher, mais parce que là, il y a vraiment une embrouille. À quelle heure un bonnet, c'est le même prix qu'un sweat. Tout en plus, qui est archi stylé. Enfin, je trouve archi stylé. Après, donc, je vous parlais de ma passion pour la marque New Era. Je voulais agrandir ma collection de casquettes, j'en voulais une rouge et une camouflage. La camouflage, j'ai vraiment du mal à la trouver. Je sais pas où elle est, j'ai cherché sur Asos, la rouge elle était facile à trouver. La camouflage, j'attends encore. Si vous avez un lien, n'hésitez pas à me l'indiquer en barre d'infos parce que moi je trouve pas du tout le lien. C'est chiant. Ensuite, j'avais vu trois vestes en jean qui. Enfin, je trouve elles sont grave stylées. Mais bon, c'est vraiment pas la saison donc c'est vraiment à la fin de ma liste, vraiment pas de mes priorités. J'en achèterai plus en été ou au printemps. Donc c'était une veste en jean col fourrure, enfin col mouton, je sais pas comment on dit. Parce que vous avez sûrement dû remarquer que c'est une grosse tendance en ce moment, la veste en jean bleue avec le col fourrure blanc. Donc moi je la trouve belle cette veste, mais bon, elle est trop vue, elle est trop portée. Moi je veux pas porter les vêtements de tout le monde. Je sais même plus si les gens ils portent cette veste parce qu'ils la trouvent belle ou parce qu'elle est portée par tout le monde. Bon bref, moi je veux porter une veste col fourrure parce que j'aime bien le concept de la col fourrure sur la veste en jean. Mais je veux plutôt une veste en jean gris foncé avec le col fourrure noir. Et en plus, comme c'est du gris et du noir, c'est des couleurs qui sont assez faciles à associer. Donc je pense que ça peut aller à tout le monde, ça. Une veste en jean noir et une veste en jean grise. Voilà.
voilà, parce que je veux engrandir un peu ma collection de vestes en jean. À la base, j'en voulais une de kaki. Sauf que sur Asos, la veste en jean kaki que j'ai trouvée, mais la coupe était vraiment. Pff, je flottais dedans, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je préfère prendre le skinny pour être sûr que ça m'aille bien, comme je suis. Comme ça. Alors, le dernier vêtement que je rêverais d'avoir, c'est de ce Perfect Orantin. Il est trop beau. Il est gris, il a pas l'air nickel, il a l'air de bien taille, genre pas trop long, pas trop court. Il est trop parfait. J'adore le col revers en fait. Je crois que c'est le col revers qui me fait vraiment kiffer. C'est pour ça aussi à la base que je voulais un caban. En plus, les Perfecto, je trouve que c'est vraiment des belles vestes, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui portent ça. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça me fait une raison en plus pour laquelle je vais la porter. J'adore cette veste. Par contre, on est d'accord que cette veste est magnifique. On est d'accord qu'elle taille bien, qu'elle fait, qu'elle donne un style de malade. Mais par contre, niveau prix, il faudrait que j'économise pendant au moins 3 vies minimum pour pouvoir me l'acheter. Quoi. Donc, on attendra un peu pour se l'acheter. Hein. Si ça peut vous donner des idées, si vous kiffez cette veste autant que moi et que vous avez l'argent. Bah, achetez-la, hein. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées de cadeaux. Parce que je sais que quand on veut faire des cadeaux à Noël, c'est un peu difficile de trouver. Perso, je déteste demander aux gens ce qu'ils veulent, mais j'ai pas non plus d'idées de cadeaux, donc je suis un peu coincé. Si vous êtes comme moi, et bah, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Peut-être même que si vous cherchez tout simplement ce que vous voulez, vous avez eu la révélation encore dans ma vidéo, bah, c'est cool. En tout cas, la plupart des articles que je vous ai montrés, c'est vraiment des trucs archi abordables, quoi. Donc, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos si vous voulez les acheter. Passez un bon Noël, mangez bien, coiffrez-vous bien au réveillon, comme moi je le ferai. Passez du temps avec votre famille, parce que les vacances de Noël, moi je trouve que c'est les meilleures vacances pour passer du temps en famille. Ou avec ses amis, hein, peu importe, mais restez avec les gens que vous aimez. Moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon Noël et portez-vous bien. Tchuss! We're gonna be your